Selon les informations du magazine Vanity Fair, le prince Harry a eu son ex Chelsea Davy au téléphone quelques jours avant de dire oui pour la vie à Meghan Markle. Chelsea Davy et le prince Harry ont vécu une longue histoire d'amour tumultueuse entre 2003 et 2011. Le frère du prince William a dit oui pour la vie à Meghan Markle le samedi 19 mai dernier, et cela semble avoir été difficile à vivre pour la jeune femme qui était présente aux festivités. Selon le magazine Vanity Fair, les deux ex se sont appelés quelques jours avant le mariage. Un proche de la famille royale confie, c'était l'appel final, un dernier appel au cours duquel ils ont tous deux admis qu'Harry passait à autre chose. Chelsea était assez bouleversée, elle était en pleurs et a failli ne pas venir au mariage. Au final, elle est venue et a promis à Harry qu'elle n'essaierait pas de s'imposer à la fête. Celle qui est aujourd'hui avocate a respecté ses engagements et tout s'est bien déroulé. Dans une interview accordée au Times en 2016, Chelsea Davy se confiait sur la pression médiatique qu'elle avait subie lorsqu'elle était en couple avec le prince Harry. J'étais jeune et je voulais juste être une fille normale. C'était horrible, si vous sortez une fois d'une boîte de nuit à 4h du matin en trébuchant, ils vous prennent en photo. Par contre, ils ne vont pas vous photographier quand vous partez travailler tous les matins. Heureusement, les deux ex sont restés en bons termes et vivent désormais chacun leur vie de leur côté.